Bonjour, bonjour, chère Balance, bienvenue dans cette vidéo du mois de pour le mois de décembre prochain, qui concerne donc la vie sentimentale des personnes de votre signe qui sont en couple. Alors, pour commencer, il y a donc, comme vous le savez, la carte d'ambiance qui est ici. C'est la carte du diable qui est dans son sens renversé. Donc, je vais y revenir et je vais en attendant revenir sur les points sur lesquels sont chaque carte, surtout pour les personnes qui ne connaissent pas donc ce type de tirage que je fais. Donc, ici, on a le point présent. Ici, c'est un obstacle ou quelque chose qui est à développer. Ici, c'est l'évolution de la situation. Ici, on a de nouveau un point présent, qui est donc la conséquence de la carte qui est juste après, puisque c'est le passé. Et puis en évolution, donc le futur, c'est la dernière carte aussi, pareil que l'autre qui est juste au-dessus. On revient donc sur la carte d'ambiance, qui est donc la carte du diable, qui est dans son sens favorable, donc renversée. Et malgré tout, il parle de beaucoup d'intensité dans les événements, dans ce qui se fait, dans ce qui se développe autour de cette et avec cette énergie, puisque c'est une période, je pense, où il y a beaucoup d'audace beaucoup d'audace, oui, et une mise en œuvre en fait alors de vous, de votre projet ou d'un projet pour le couple, mais qui vient de votre initiative, ou alors un projet commun que vous avez, et donc qui concerne évidemment le couple à nouveau. En tout cas, c'est une période intense d'accomplissement, et il peut y avoir, je pense aussi, par rapport à ça, un blocage d'un point de vue matériel ou financier. Donc il y a une libération très attendue. Je parle de ça parce que il y a dans votre tirage l'idée des finances aussi qui est très présent. Donc c'est pour ça que j'ai poussé un petit peu plus loin l'explication par rapport à la carte d'ambiance. Donc sur le point présent, on a la conjurée qui est dans son sens renversé. Donc déjà, c'est une carte qui n'est pas facile, mais là, elle est dans son sens renversé. Néanmoins, elle dit que quelque chose se prépare dans votre relation ou en rapport, vous en rapport avec l'autre, votre partenaire. Et pour le moment, c'est plutôt un temps d'observation, un temps d'introspection. Alors, est-ce qu'il y a une situation qui est jugée donc décevante? Est-ce qu'il y a une intimidation qui est subie? Parce que la conjurée, elle vient lorsqu'il y a un blocage par rapport à une expression, quelque chose qu'on veut, que l'on sait, que l'on connaît, mais qu'on hésite à évoquer. Parce que il y a la possibilité, la probabilité, pardon, c'est plutôt ce mot-là, que ce que l'on sait, ce que l'on retient de dire, se retourne contre nous. Donc voilà, c'est pas vraiment des secrets, mais ça peut être de l'ordre des rumeurs et des jugements qui malheureusement se retournent contre soi. Donc là, il y a cette carte-là qui fait office donc comme s'il y avait un danger par rapport dans le couple, dans la relation. C'est pourquoi j'ai parlé de d'intimidation peut-être subie ou d'une situation qui est décevante mais que vous n'osez pas évoquer. Et voilà. Donc sur le deuxième point, on a la carte de la prétendante qui est dans son sens défavorable. Et alors, voilà cette carte de la prétendante. Alors, elle est sur le point de l'obstacle et en plus, elle est dans son sens renversé. La prétendante,
Elle parle de l'aspect matériel, financier, et c'est une énergie qui fait que c'est comme si, on cherche à développer c'est pas un patrimoine, mais en fait, un patrimoine sous la forme financière, pas tellement, enfin plus financière que matérielle. Donc, il y a une certaine avidité ici. Là, ça pose problème justement dans le couple. Et il faut dire aussi qu'il y a une possibilité qu'il y ait, puisqu'il y a avidité et que c'est un comportement naturel dans la vie de tous les jours, c'est la possibilité qu'il y ait un problème financier, des dettes qui posent problème dans le couple. Et ça ressort donc de cette manière-là. Et il peut y avoir en lien avec donc ce problème dont je parlais tout à l'heure, qu'on avait du mal à évoquer, à parler de quelque chose qui pourrait se retourner contre soi. Et donc par rapport à ce que je viens de dire, des dettes, des problèmes financiers, il y a une attitude d'être superficiel en fait, se sachant peut-être ou se sentant coupable ou se sentant jugé, eh bien il y a cette attitude, ce comportement d'être effacé, de s'efforcer d'être plus effacé dans le couple, d'être moins expressif, voilà, d'être moins pour ne pas être trop en avant et prendre des décisions finalement. Donc ça, c'est une étape puisque on voit bien que avec la carte de la guérie qui parle de l'évolution, ça y est, les choses sont reparties d'une manière tout à fait normale, c'est-à-dire que comme si les feux repassent au vert et votre détermination aussi repasse au vert. Et du coup, vous foncez. Alors, je vais dire plutôt avec votre partenaire, main dans la main, vers de nouveaux objectifs, de nouvelles initiatives, peut-être pour remettre de l'ordre dans ce qui a posé problème. Ou alors, c'est que vous étiez dans l'attente et donc dans une situation plutôt compliquée qui vous freinait. Et donc là, vous avez reçu cet argent, l'aspect matériel en fait de la situation. Et puis, ça vous permet de remettre de l'ordre. Et donc, vous foncez, vous avez beaucoup de détermination pour arranger ce qui doit être. Et ça permet aussi à votre couple de revenir sur quelque chose de beaucoup plus engageant et normal. Là, ici, il y a de l'intensité, comme on en a parlé avec la carte du diable ici. Là, ici, il n'y a pas de limite, hein. C'est un peu la même chose dans l'intensité qui est développée pour arranger une situation, pour aller vers un objectif qu'on s'est fixé. Il n'y a pas de limite, on ne se fixe pas de limite puisqu'on veut arriver au but le plus vite possible, le mieux possible. Et donc les barrières n'existent plus. Le but, c'est d'arriver au succès, à la réussite. Donc on en vient tout de suite à la ligne qui est juste en dessous avec d'autres cartes, où ici on va passer directement à la carte qui parle du passé, où alors on a la carte de la rêveuse qui indique que vous avez fait usage entre guillemets, mais c'est très bien, hein, je dis usage pour rigoler en fait.
Vous avez fait usage de votre intuition, de votre sensibilité, de vos capacités, en fait, à créer pour attirer, et donc on parle ici d'attraction, pour attirer et concrétiser un objectif, un rêve, pas quelque chose d'impalpable, non, non, là on est dans le concret néanmoins, on est directement dans le concret. Vous allez voir, donc après, quand je vais parler de l'autre carte, vous verrez qu'on est directement dans le concret. Ce sont des rêves, oui, ce sont en fait des visualisations et pour attirer à vous une certaine situation pour être mieux. Donc vous êtes à l'écoute des signes, vous êtes à l'écoute de vous-même, vous êtes à l'écoute de votre compagnon ou compagne pour, et vous faites ensemble cette... Vous passez ensemble cette étape pour attirer à vous quelque chose que vous souhaitez très fortement. Et on passe par l'étape de la destruction, de la déstructuration, puisque c'est une situation qui est décevante, avec encore sur le point présent, hein, et donc la carte alors comment elle s'appelle? Ragnarok. J'ai toujours du mal à la prononcer son nom. Donc Ragnarok, qui parle de terminer un processus, une situation. On est dans les derniers instants d'une situation. Et là, vous arrivez donc à la fin d'une situation qui, on a dit, qui était décevante. D'ailleurs, on en a parlé juste là. Qui était frustrante. Et donc, vous avez déconstruit, détruit cette chose qui vous gênait. Et je me souviens, tout à l'heure, j'ai parlé du diable qui n'a pas de barrière, qui n'a pas de limite. Donc vous avez enlevé tout ce qui vous gênait, sans hésiter, hein. Et tout est mis en œuvre pour terminer avec, on pourrait dire, entre guillemets, le gros œuvre, c'est-à-dire tout ce qui est grossier par rapport à tout le travail que vous avez mis en place, l'énergie que vous avez mis en place. Vous êtes en train de façonner un diamant. Bon. Donc toute la terre qui entoure, on va dire, le diamant, vous l'avez enlevé. Là, vous arrivez, pas au cœur du diamant, bien sûr, mais vous arrivez aux premières facettes du diamant. Voilà. Et il y a toujours autant d'énergie, d'employés, d'engagement, pour avancer vers ce que vous avez décidé, ensemble. Ensuite, on a sur le point de l'évolution, la clémente. Alors, je vous la montre. Alors, ça fait un reflet, pardon, voilà. Donc, la clémente, elle parle finalement d'un soulagement vis-à-vis de quelque chose qui vous a fait quand même... du mal. Et donc la situation dont on a parlé, qui était très frustrante tout à l'heure, là maintenant, c'est vous arrivez au soulagement. Et maintenant, il y a un changement, un grand changement de votre situation et dans la relation de couple. Pour certains, ça peut être juste ça. Ou alors, c'est le couple qui se trouve ensemble, donc soulagé. Par rapport à une situation qu'ils ont vécue ensemble difficile, vers un objectif particulier. Et je pense que c'est lié à... Pour moi, c'est plus lié à une situation externe ou alors, c'est vrai, ça peut être aussi quelque chose que vous exigez de vous-même. Donc, c'est vous par rapport à votre autre. Ou alors c'est le couple par rapport à l'un et l'autre, mais dans un objectif commun.
Alors, on va étendre avec une autre carte. Alors, on a une carte qui a sauté, mais moi, je voulais en mettre une ici. Donc, on continue, on va en mettre une ici aussi. Et une autre sur le présent. Pour savoir qu'est-ce qui posait problème, qu'est-ce qui pose problème au départ. Voilà, donc on coupe. Je prends une première carte pour mettre ici, comme j'ai dit, et une autre pour mettre ici en lien. On va regarder d'abord celle-ci. Alors, écoutez, c'est la même carte que la carte d'ambiance et dans le même sens. Donc, le diable renversé. Donc, ça ne dit pas exactement qu'est-ce qui pose problème, mais par contre, ça dit l'attitude que vous avez envers cette situation qui est compliquée et qui pose problème, c'est-à-dire que vous impliquez totalement et un très grand engagement avec beaucoup de courage, beaucoup d'audace et de volonté et d'ambition de réussir ce que vous avez entrepris pour vous dégager d'une situation qui est... Alors, attendez le mot. Il faut que j'écoute. Comme si peut-être la situation vous a jeté d'une certaine façon sous l'emprise, alors soit d'une situation très complexe, soit c'est sous l'emprise d'une personne donnée et vous faites tout pour vous en sortir. Mais vraiment, c'est vraiment une très grosse lutte, un très gros combat. Hein. C'est difficile, hein. Alors, attendez, j'ai encore... avant de retourner l'autre carte là. Alors, ça peut être. Alors, c'est la carte de l'empereur hein, qui est. Je pars tout de suite dans ce qu'on me dit là. Donc, c'est la carte de l'empereur qui vient en association avec les cartes déjà déposées. Et elle vient parler de pouvoir, donc de pouvoir d'agir. Et donc, il y a cette recherche, cette volonté de retrouver votre capacité à agir de manière indépendante et il y a une très grande ambition de gérer la situation avec de la persévérance, de la rigueur, on va dire en ayant la tête froide parce que vous voulez vraiment, vraiment, vraiment réussir. À vous sortir de cette situation. D'ailleurs, on voit que vous n'avez pas osé, vous n'avez pas, pardon, hésité, vous savez, avec la carte précédente de Ragnarok, à mettre fin à un certain nombre de points dans votre vie, de situations dans votre vie, qui vous posaient problème et qui vous empêchaient, qui vous emprisonnaient, qui vous ligotaient, hein, avec la carte du diable. Il y a cette emprise qui est là. Et même si elle est dans son sens positif, vous savez, c'est toujours avec trop de... Il y a toujours du débordement dans cette énergie du diable. Et puis là, on a une très forte autorité qui est appliquée. Alors, soit c'est vous par rapport au fait de vouloir vous sortir d'une situation inconvenante. Soit c'est quelqu'un qui applique cette force
j'ai pas dit le mot qu'on m'a dit, mais il faut que je le dise quand même. Soit c'est quelqu'un qui applique cette terreur, la terreur envers vous, et qui s'efforce en fait de vous déstabiliser complètement, hein. Vous ou le couple, hein. Quand je dis vous, c'est vous personnellement ou le couple lui-même. Donc là, je regarde la carte qui est ici sur l'évolution de la situation. C'est la carte 10 de la roue de la fortune, mais qui est dans son sens inversé, qui fait que il y a une perte de stabilité, une certaine vulnérabilité. Et la carte qui avait sauté, c'est la carte les étoiles, qui est dans son sens renversé. Et donc, il y a une situation, des événements, des circonstances extérieures qui ne sont pas du tout en votre faveur, qui font que vous êtes soit le couple, soit vous, complètement perturbé dans l'évolution de votre situation de couple. Et il y a plein de gênes. Et c'est comme si vous passez par une phase dans l'évolution. On va mettre une autre carte, hein, dans l'évolution, comme si vous y alliez vers une phase encore qui n'est pas éclaircie, qui n'est pas favorable non plus. Et donc, au point de vue des initiatives, je pense qu'elles sont bloquées, elles sont freinées, retardées par X situation, X raison. Alors, on va mettre une autre carte ici, sur la roue de la fortune, pour avoir une information. Je ne voulais pas vous faire une vidéo trop longue, mais là, je suis obligée, finalement. Alors, on a la tempérance. La tempérance, eh ben, c'est très bien parce que ça vient justement remettre du calme et de la sérénité sur toute cette intensité qui s'est développée sur le mois de décembre. Donc finalement, vous allez repasser à une situation beaucoup plus confortable, plus calme. Et voilà, vous allez vous retrouver plus. C'est bien parce que comme il va y avoir donc des réunions, je pense, de famille, ça va être beaucoup, beaucoup plus calme et la tension va retomber. Voilà, chère Balance. Écoutez, je vous souhaite tout le calme et la réussite et le succès par rapport à ce que vous vivez actuellement. J'espère que vous allez trouver des solutions. Et puis, pour ma part, je vous retrouve donc à la prochaine sur une prochaine vidéo. Sachez que également, vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire et de Vénus, pour avoir d'autres informations. Voilà, au revoir, à très bientôt.